Bienvenue sur ce troisième tutoriel. À travers cette vidéo, nous allons vous montrer comment publier un article sur Construction 21. Pour cela, il vous suffit de vous connecter à l'aide de vos identifiants Construction 21. Si vous n'avez pas encore de compte sur Construction 21, il suffira juste de regarder notre premier tutoriel intitulé « Ouvrir un compte sur Construction 21 ». Pour commencer, cliquez sur « Connexion ». Une fenêtre va s'afficher. Renseignez votre email et le mot de passe qui vous a permis d'ouvrir un compte sur Construction 21. Vous pouvez également vous connecter en utilisant votre compte Twitter, LinkedIn ou Facebook. Puis, appuyez sur « Envoyer » pour vous connecter sur votre compte. Vous êtes connecté. Vous voyez ici votre email s'afficher, ainsi que le drapeau du pays dans lequel vous vous êtes inscrit. Pour publier un article maintenant, allez sur la barre des onglets. Placez votre curseur sur l'onglet Actualité, puis cliquez sur Ajouter votre article. Vous allez être dirigé dans la page pour rédiger votre article. Renseignez votre titre ici et rédigez votre texte dans la zone concernée, ici. Vous avez à ce niveau la barre des tâches comme présent sur Word, Office ou d'autres applications d'édition qui vous permet éventuellement d'apporter des modifications à votre document. Vous pouvez aussi ajouter des liens, comme ici, ou ajouter une image, ici. Vous pouvez également exporter un document Word dans la zone de texte. Pour cela, je vais vous montrer comment faire. Allez sur votre document Word. Copiez le texte. Puis, cliquez sur l'icône ici. Collez à partir d'un texte créé sous Word. Collez votre texte. Puis appuyez sur Insérer. N'oubliez pas de renseigner le titre. Et d'apporter éventuellement des modifications. Puis, choisissez un thème pour qualifier votre article. Mon thème concerne l'analyse du cycle de vie dans les bâtiments. Je sélectionne, puis j'appuie sur Envoyer. Votre article a été bien enregistré et sera mis en ligne après modération. Merci, à bientôt sur Construction 21.